Je suis souvent interrogée, notamment en cette fin d'année 2018, sur les dons. Parlons des dons. Et oui, nous sommes dans une société de solidarité. Nous avons aussi à nous préoccuper des autres, notamment d'un certain nombre d'associations. Ces dons, aujourd'hui, c'est 66% de réduction et c'est un crédit d'impôt. Ça se déduit sur nos impôts. Oui, mais il y a aussi cette réforme qui s'appelle le PAS, prélèvement à la source. Qu'en est-il quand nous allons faire nos dons au 31 décembre 2018 ? Tout simplement, en juillet 2019, l'administration fiscale nous remboursera nos dons à hauteur de 66% dès lors qu'on aura déclaré nos impôts en mai 2019 et nos impôts de 2018. Donc, pas de difficulté, faites vos dons. Et puis, si vous n'avez pas le temps et que vous allez les faire en 2019, cela se fera de la même façon sur 2020. Donc, pour les dons, le régime ne changera pas. En ce qui me concerne, j'ai assuré un certain nombre de dons, et notamment un que j'aime, qui s'appelle Les Frondeuses, qui est un spectacle qui se met en place. Et c'est vrai que sur ces dons, il y a bien aussi 66%. Donc travaillons aussi pour la culture, travaillons pour le cinéma, travaillons pour le théâtre et faisons ensemble que cette société réussisse dans une belle cohésion sociale.